Bonjour à tous, c'est Kuja Delis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va réaliser une recette que tout le monde connaît. Je pense que vous connaissez tous, c'est le 4 quarts aux pommes. Pour la réaliser, il vous faudra 200 g de farine, 4 œufs, 200 g de beurre mou. On a les 4 pommes. 200 g de sachets de sucre vanille, 100 g de sucre roux, une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire, un moule, un batteur électrique et un fouet. Passons tout de suite à la recette. On va commencer par battre les œufs et le sucre. On bat le sucre et les œufs. On va rajouter la moitié de la farine. Je mets la moitié de 200 g de farine. Je bats. Je vais mettre les 200 g de beurre. Je rajoute le beurre mou. Je bats. Je vais rajouter encore la moitié de la farine. Il faut à chaque fois rajouter un tout petit peu. Je rajoute le reste du beurre. Je rajoute le sucre vanillé. Vous pouvez remplacer le sucre vanillé par de l'extrait de vanille. Je mets le sachet de levure. Je vais rajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate. Voilà. Et on continue de battre. La pâte doit être très lisse. Je vais découper un rond avec du papier cuisson pour mon moule. Voilà, elle n'est pas vraiment ronde, mais bon, c'est pas grave. Je vais disposer mes pommes dessus en rosace. Donc voilà les pommes. Elles ont été disposées par ma petite de 7 ans. Elle aime trop faire la cuisine.
Donc avec les 100 g de sucre roux, je saupoudre un peu les pommes dessus. Ensuite, on va mettre notre pâte qui est bien lisse. On va bien lisser le dessus. Ensuite, on va préchauffer notre four à 190 degrés. On va faire la cuisson à 10 minutes. Ensuite, on va baisser le four à 170 degrés et continuer la cuisson pour environ 30 minutes. Donc, bien lisser le dessus, on va enfourner. Comme je vous ai dit, on va chauffer le four à 190 degrés, thermostat 3 chez moi. On va faire la cuisson à 10 minutes. Ensuite, on va baisser à 170 degrés, thermostat 2 avec mon four. Cuisson 30 minutes à peu près. On va voir. Ouais, c'est bon. Donc, notre 4 carreaux pommes est prête. On va juste le laisser bien refroidir. Ensuite, on va le démouler. J'enlève le papier cuisson. Et voilà notre 4 quarts aux pommes. C'est encore tout chaud, ça fume. On va essayer de le découper. Il est encore chaud, mais bon. On va voir. J'espère que la recette vous a plu. C'est un gâteau facile à réaliser. On peut le manger à n'importe quel moment de la journée. Voilà, ciao, ciao. Un grand merci à Maman Nono. J'ai testé le truc, j'attends tes commentaires. Elle est bien moelleuse.